C'est l'heure. C'est l'heure. Il est 20h. La majorité sortante garde la majorité. Estimation C2I voilà. Des bulles. Majorité sortante autour de 279 sièges. Opposition autour de 212 sièges. Oh. De Gaulle avait raison, les Français sont dévots. Le champagne, je l'ouvre quand même. Bien sûr que tu l'ouvres. On n'était pas prêts, voilà tout. Écoute-moi bien, dans 3 ans, Rocard gagne les présidentielles. Mitterrand. Ouais. On verra bien qui fanfaronnera le dernier. J'aime pas le champagne. C'est quoi le sujet de votre thèse? Les politiques patronales et la division du travail. Une approche marxiste, j'imagine. En effet. Vincennes n'est pas l'ENA, c'est même tout le contraire. Le décloisonnement des savoirs, pas d'hiérarchie, pas de premier de la classe, ni de dernier. T'as tort de tirer à boulet rouge sur l'ENA. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Bah, j'ai bien l'intention d'utiliser les rouages du pouvoir pour que ça change. Comme dit l'OLP, si tu veux détourner un avion, vaut mieux être dedans. L'avion est en de bonnes mains. Allez dire ça aux 1 700 000 demandeurs d'emploi. Vous avez quel âge? 24, 25 ans? Comment peut-on être de droite et défendre une politique au service de l'argent et des privilèges? C'est une aberration pour moi. Tous les gens de droite ne sont pas forcément des vieux fachos réac. La crise, c'est vous. Vos habitudes, vos idées, votre égoïsme, votre inconscience. Je respecte vos choix, respectez les miens. Anna, s'il te plaît. Quoi? J'ai pas le droit de dire ce que je pense? Pas comme ça, non. Bon, si on parlait d'autre chose que de politique,